Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette première vidéo de l'année 2022. C'est une vidéo donc pour la vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple et donc plus précisément les personnes du cancer ici. Alors je voulais tout d'abord vous présenter tous mes voeux de réussite et plus particulièrement donc en ce qui concerne la vie sentimentale. Et puis maintenant, je vais vous présenter la nouvelle structure du tirage où il y a ici la partie qui vous concerne. Donc pour moi, c'est à gauche, mais pour vous, ce sera à droite. Ici, c'est la partie qui concerne l'autre personne, donc votre partenaire. Donc sur l'écran, donc c'est à gauche, mais pour moi c'est à droite. Et au milieu, c'est ce qui concerne donc l'interaction entre vous deux. Et en bas, on a la carte du résultat, le futur. Ici, c'est la partie qui concerne donc les sentiments. Et ici, c'est la partie donc plutôt du présent, dans la disponibilité de l'aspect pratique en fait de la relation, de l'un envers l'autre. Voilà. Donc on y va tout de suite avec ici la carte temporelle, le présent. Alors ça me dit que vous êtes totalement en fait disponible, à l'écoute. Vous êtes prêt donc à répondre aux attentes de votre autre, notamment. Vous faites des plans, mais vous restez en fait vraiment dans le présent, dans l'action. Vous vous sentez bien, pour vous la vie est agréable là, en ce moment. Bien sûr, il y a toujours des petits aléas, mais voilà, globalement, en fait, pour vous, ça va. Du côté donc de votre autre, de votre partenaire, on a la carte de la persévérante. Par contre, elle est dans son sens inverse. Donc, ça veut dire que c'est une période où il y a moins de chances. En ce moment, il y a des échanges, oui. Mais c'est vécu sans plus. Il y a une impression en fait aussi de subir les événements plutôt que de les mettre en action, d'être à l'initiative, à l'origine de ce qui se passe. Donc, c'est comme si pour cette personne, il y avait moins d'action, moins d'implication. Dans l'interaction entre vous deux, on a la carte de la modeste qui nous indique qu'il y a de toute façon une recherche de conciliation, on s'accommode, on s'adapte à l'autre, aux besoins, aux attentes, à l'écoute, on se montre volontaire, il y a beaucoup d'humilité entre vous, on fait attention à l'autre en fait, on est prudent de ne pas le brusquer, on est prudent de ne pas dire un mot plus haut que l'autre qui pourrait être mal interprété. C'est vraiment de la discrétion, de la réserve. Les échanges sont positifs, hein, de toute façon. La carte est extrêmement positive ici. Dans ce qui concerne la partie donc des sentiments, on a la reine des elfes qui est pour vous de votre côté dans son sens inverse. Dans la partie qui concerne votre hôte, on a la Volva, pardon. Et donc, je reviens de votre côté où la carte est renversée, ce qui indique qu'il y a donc un souci. Donc, je pense que vous avez besoin de plus de liberté, plus de pouvoir pour vous évader. Alors, ce n'est pas le pouvoir. En ayant le pouvoir sur quelqu'un, c'est plutôt la capacité de réaliser quelque chose. Donc ici, c'est donc vous avez envie de vous évader. Alors c'est pas liberté, pouvoir, etc. C'est des mots que j'ai employés bien sûr, mais c'est pas pour aller voir ailleurs. C'est pas pour aller voir ce qui se passe ailleurs de votre relation. C'est pas du tout ça.
c'est que vous êtes, en fait, vous êtes tendre, vous êtes affectueux, mais il y a moins d'intensité que d'habitude. Et donc, vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes un petit peu moins expressif. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et du côté de votre hôte, en fait, finalement, cette personne, elle se laisse porter par le flux. Elle ne prend pas d'initiative particulière, ne cherche pas à faire pression sur vous pour vous pousser à vous investir davantage, à vous exprimer davantage, à montrer davantage l'affection, la tendresse que vous avez pour elle, pour cette personne. Et en fait, elle vous laisse venir comme vous en avez envie. Et dans l'interaction, on a la carte de la donneuse de vie, qui est dans son sens inverse aussi. Et donc, je pense que vos souhaits, finalement, de l'un et l'autre, hein, vos souhaits ne sont pas comblés. Vos espoirs, vos efforts, hein, ou vos tentatives d'apporter quelque chose de nouveau dans la relation, n'est pas. Je pense que c'est pas compris, c'est même pas remarqué. Ça ne se voit pas. C'est comme si vous aviez chacun une manière de l'exprimer, mais qu'il y avait incompréhension, comme si c'était deux langages différents, et les deux langages ne s'unissent pas, ne se réunissent pas pour former autre chose d'harmonieux entre vous. C'est chacun a son mode d'expression et chaque mode d'expression n'est pas reconnu par l'autre. Voilà. Ensuite, sur la carte qui est ici, donc on a là, c'est une carte, donc que j'ai dit, c'était le résultat, donc le futur. Ça résume bien finalement ce qui se passe. C'est l'arcane 8, l'arcane de la force. Alors, pour moi, c'est que, en fait, dans la création d'un lien, sous ce lien en question dont on vient d'évoquer, du fait qu'il n'y ait en fait pas de combinaison, pas de rapprochement, pas de tissage qui se rejoignent pour former eh bien pour former une toile en parlant avec ce type de langage, eh bien, en fait, ça crée une tension, ça crée de l'aridité dans les sentiments. Or, on voit bien que, en fait, c'est juste dû à une incompréhension, à une non-reconnaissance du langage de chacun. Et voilà. Donc, on va aller plus loin pour voir comment vous pensez pouvoir résoudre ce souci. Parce que je pense que là, il y a la volonté déjà, il y a la prise de conscience de ça. Et puis, je pense qu'il y a la volonté de faire quelque chose, en fait, d'y remédier. Même si, d'après ce qu'on voit, vraiment, d'après ce qu'on voit, c'est que l'un et l'autre ne font pas véritablement d'efforts pour que dans le tronc commun, dans ce qu'on appelle donc l'interaction, il y ait quelque chose de plus créatif, de plus dynamique, de plus entraînant, de plus enrichissant. C'est comme s'il y avait une forme d'attente que l'autre réagisse, mais en fait, chacun attend l'autre. Donc, ça bouge pas véritablement dans l'interaction. Voilà, on va couper. Et on va en mettre une à côté ici.
une autre ici. Et on va en mettre une autre là, là et là. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, donc on va d'abord regarder ici comment vous pensez pouvoir y remédier. Alors, on a d'une part déjà, je pense que par le passé, il y avait un détachement donc au niveau des sentiments, au niveau émotionnel surtout, et ça crée une situation où dans votre attitude, votre comportement, l'autre personne a pu penser, a pu croire que il y avait trop de détachement, de superficialité dans votre façon de vous comporter. Et je pense que c'est ce qui a créé au départ cette tension. Ça a instauré une tension entre vous. Parce que de l'autre côté, il y a une incompréhension aussi au point de vue de l'expression de l'attitude avec l'impératrice. Alors, on avait la papesse, je ne sais plus si je vous l'ai dit, de votre côté. Et de l'autre, ce qui concerne votre autre, c'est l'impératrice. Mais toutes les deux sont renversées. Hein. Donc, l'impératrice ici, elle parle donc d'une déconnexion et d'incompréhension, de mauvaise interprétation au point de vue de la communication. C'est comme si, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comme s'il y avait quelque chose qui brouillait l'interaction entre vous, et ça crée en fait une tension qui n'engage pas à aller plus loin. Donc chacun reste dans son univers et ne cherche pas à aller plus loin. Or, là on voit ici... Donc, ce qui est souhaitable, là, c'est le jugement, la carte du jugement. Et ce qui est souhaitable, c'est que, justement, il y ait une véritable volonté, déjà, d'une part, de chacun des partenaires. Et puis, qu'il y ait vraiment, que vous trouviez, en fait, des points qui vous sont communs pour recréer un attachement, un lien qui puisse se fortifier. Donc, il faut aller sur... alors, je continue à retourner les cartes, là. Donc, ici, on a le bâton, l'as de bâton. Ici, c'est la reine d'épée. Et ici, c'est la lune. Et je vais en mettre une autre... en bas. Les cartes disent en fait qu'il faut qu'il y ait un effort de part et d'autre pour recréer, pour relancer le lien qui existe entre vous, qu'il puisse se fortifier, qu'il puisse se vivifier. Et retrouver donc de la vigueur, et donc ça veut dire des centres d'intérêt qui vous sont communs, et ça va créer en fait une nouvelle porte, une nouvelle ouverture, et ça passe par les efforts que vous allez mettre chacun pour voilà. Donc ici, c'est confirmé, en fait, c'est la carte de la tour qui est renversée. Je pense qu'il y a justement une période là où vous allez vous trouver dans l'obligation finalement, pardon, dans l'obligation
de tout refaire, de tout remettre à plat. Il y a une remise en question qui forcément va passer par une destruction de certain nombre de valeurs que vous n'avez plus ou que vous n'aviez pas, mais que l'un ou l'autre pensait que c'était votre vérité. Or non, il y a un passage, une phase de destruction, une phase où vous allez devoir vous faire face, en fait, non pas pour vous battre ou vous disputer, c'est faire face à la vérité de chacun et non pas pour faire une comparaison et avoir un jugement radical, parce que je dis ça parce qu'il y a la carte du jugement, effectivement, mais c'est une carte qui va parler d'un renouvellement, qui va parler de partir sur de nouvelles bases. Et d'ailleurs, on voit bien que avec l'as, ici, l'as de bâton, il y a ce nouveau départ de votre côté, avec beaucoup d'intensité, de passion, de motivation, de vitalité, de dynamisme que vous mettez de votre côté pour jouer un rôle important dans ce nouveau départ. De l'autre côté, pour votre partenaire, c'est plutôt une attitude de renoncer à, alors, de renoncer à être dans l'action vive, plutôt être dans l'écoute, dans justement le renoncement à être trop actif. Par contre, être tout à fait à l'écoute de ce qui est dit, de ce qui est fait, dans l'observation. Et alors, il y a aussi le fait que cette personne peut se sentir, de par votre attitude, peut-être un peu trop vigoureuse, elle peut se sentir piégée, elle peut se sentir diminuée, elle peut se sentir trop fragilisée, trop vulnérable, et avoir envie de vous dire qu'elle accepte et que ce ne soit pas vrai, en fait. Donc, ça peut créer, et on voit par le jeu des arcanes, là, on voit qu'il y a la reine d'épée au milieu. Ça peut créer une espèce de tension qui soit très forte, au point de vue du langage surtout. De vouloir absolument avoir raison, de vouloir démontrer que on est dans le vrai. Or, en ayant cette attitude, en fait, ça n'irait pas vers quelque chose qui irait vers un dénouement positif. Il faudrait voir. Donc, on va poser la question. D'abord. Alors, par-dessus, on a le roi de deniers. Donc, c'est toujours un arcane où il y a une certaine force qui est entre vous. Par contre, là, c'est plus empreinte. On est toujours dans un aspect où on veut parler en disant, en ayant sa propre vérité, en essayant de s'imposer. Par contre, là, dans les deux cartes, hein, de toute façon, il y a toujours cette volonté d'être dans l'intégrité. Alors, par contre, dans la première tout à l'heure, j'ai dit que ça risquerait d'être vraiment très tendu. Parce que déjà, c'est une épée. Ici, c'est un denier. Et donc, on a toujours la même idée. Mais ici,
il y a une recherche, il y a plus, c'est plus prégnant, de la recherche d'un accord. On est plus dans la négociation que dans la défensive. Voilà, ici, on est plus dans la négociation. On veut quelque chose d'équitable. On recherche quelque chose de loyal, même dans l'autre, hein. Mais l'autre, c'est plutôt l'attitude qui ne convient pas. Ici, on recherche quelque chose d'équitable pour être bien et pour être à égalité dans la pratique. Voilà, on a rapidement une carte ici, pour terminer. Et même, voilà, ici. Donc voilà, là, on a la roue de la fortune. Ici, on a la mort, dans son sens, c'est le moins favorable, mais voilà. Et ici, on a le pendu renversé. Donc, finalement, en ayant l'attitude dont je viens de parler en dernier ici, on a effectivement ce renouvellement, cette possibilité, cette potentialité vraiment d'avoir quelque chose de tout à fait nouveau par le fait qu'il y a une grosse transformation au point de vue de l'attitude, des sentiments par rapport à de l'un et de l'autre. Alors, pour votre partenaire, c'est le fait en fait, d'enterrer l'ancien et de repartir, de vouloir repartir sur quelque chose de nouveau. Et par contre, là, c'est plus le sentiment d'être obligé. Et de toute façon, c'est inévitable parce que la carte sort à l'endroit et dans ce sens-là, c'est vraiment inévitable. Il y a une transformation de toute façon importante au point de vue de l'attitude et de la manière de voir les choses. De votre côté, il y a donc un renouveau également qui est moins dur que votre partenaire, puisque là, ça part de votre initiative et avec un certain nombre de propositions et d'attitudes qui sont tout à fait différentes par rapport au départ de ce qu'on disait au départ de ce tirage, où vous avez un certain nombre de propositions à faire que vous faites à votre partenaire, ce qui fait que, en fait, à la fin, vous retrouvez une situation avec, c'est pas encore tout à fait très déterminant, mais ça part sur quelque chose de tout nouveau, de réfléchi ensemble, et vous avez conscience qu'il y a un nouveau potentiel qui peut démarrer sur quelque chose de nouveau, de neuf, et de plus convenant pour l'un et pour l'autre, de plus enrichissant pour l'un et pour l'autre, même au niveau de la spiritualité, des émotions. Il y a un démarrage de quelque chose qui peut grandir. C'est encore fragile, hein, mais voilà, ça existe. Donc après, c'est à vous de travailler l'un et l'autre pour que la relation puisse s'épanouir positivement. Déjà, la carte est positive, est plus positive que lorsqu'elle est dans son sens normal. Mais il reste à construire beaucoup de choses derrière, hein. Ce n'est pas encore assez solide, hein. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Pour ma part, je vous retrouve sur d'autres vidéos, puisque nous sommes seulement au début de l'année. Au revoir!